Salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Call of Duty Modern Warfare 3 sur PlayStation 5. Édité et développé par Activision et Sledgehammer Games, sorti officiel le 10 novembre 2023, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Pas de note moyenne pour l'instant sur Metacritic ou autre site de référence vidéoludique, car ce vidéotest est fait un petit peu en avance. Joli lancé, allez on monte. Déjà présenté dans l'une des nombreuses conférences d'été de Sony, le State of Play, je reprends la toute première démo du jeu car elle ne nous était pas montrée dans son intégralité et Activision avait clairement évoqué le fait que la découverte de cette première mission cacherait plusieurs Easter et même la finalité en soi de la mission qui n'avait pas été à ce jour encore découverte par l'ensemble des joueurs. Nous incarnons dans la plus grande des quantités du lore la Task Force 141 avec Price, Ghost, Soap et Gaz contre bien entendu l'ultra-nationaliste Makarov qui est donc de retour dans ce troisième volet et qui sévit dans le pays fictif de l'Urzikstan qui se situe à peu près entre la mer Noire, bref, dans la région du Caucase. Première chose du coup que l'on peut repérer, c'est le sound design, le game design, tout y est pour pousser à l'immersion. Comme vous le savez sans nul doute, Call of Duty perd de ses adeptes d'année en année. Pour pallier à cet affaiblissement, Activision et Sledgehammer Games cette année nous proposent un nouveau mode zombie, un énième, mais cette fois-ci en open world, qui raconte une nouvelle itération de Dark Aether, vous vous rappelez sans doute le fil rouge loristique du mode zombie, et qui nous rappellera ce que l'on aura pu rencontrer dans les anciens Call of Duty comme Cold War ou Vanguard. Bien entendu, si vous vous posez cette question, combien fera-t-il dans mon système de stockage? Comme d'habitude, ça aura beaucoup de mal à passer, même avec de la vaseline. Prévoyez à minima 150 gigas pour ce troisième volet. Attention à l'explosion. 3, 2, 1, go. Il meurt d'un hameçon. Je vais plutôt suivre les CPU, hein. Je vais le faire un petit peu mission RP. Je me mettrai toujours derrière mes mates. C'est bon, toi.
Cela fait déjà quelques points négatifs, mais mon but n'est pas bien entendu de descendre Call of Duty. Je me dois de rester impartial et surtout objectif. Et bien entendu, Call of Duty, depuis un certain temps, l'emporte grandement sur la qualité de ses modes solo. Cela avait fait énormément jaser à l'époque de Infinite Warfare qu'il n'y ait pas de mode solo dans le jeu et que le jeu se consacre uniquement au mode multijoueur. On voyait clairement que Activision avait mis son petit jeton, sa petite pièce sur le mode online, quitte à délaisser les joueurs invétérés qui voulaient faire un petit mode solo pour pouvoir faire une pause entre quelques MME ou Recherche et Destruction, QG et j'en passe. Nous nous retrouvons donc avec un mode solo qui est très scripté et qui nous rappelle étrangement les modes solo vers lesquels Battlefield avait opté précédemment. Comme vous pouvez le voir, bien entendu, c'est une recette qui marche. L'immersion est omniprésente et on n'a qu'une envie, c'est limite de se lier d'affiliation avec les orties qui nous accompagnent pour faire vraiment une opération telle des Recon dans un lieu hostile. Que serait Modern Warfare sans la vision nocturne, bien entendu. Malgré le fait que je vous montre une mission qui avait déjà été présentée dans une des conférences de Sony, je ne l'ai pas regardé dans son entièreté pour ne pas me spoiler. Donc je ne sais même pas si ce moment-là était montré. Je suppose que oui quand même, parce que une phase en rappel comme ça, ça doit... Les développeurs doivent normalement montrer quelque chose qui peut tenir le spectateur en haleine. Je pense qu'on doit y être. Après, pour la suite, je ne sais pas. Ce que l'on peut surtout remarquer avec le temps, c'est que Call of Duty en a fait quand même pas mal du chemin. Vous vous rappelez des anciens Call of où est-ce qu'il fallait juste, ne serait-ce que même dans le mode online, avoir que quelques frags pour avoir vos atouts? Maintenant on se retrouve dans des modes solo où est-ce qu'on peut switcher d'armes dans des caisses, où est-ce qu'on n'est plus obligé de faire toute la mission avec une seule et même arme, on peut switcher d'un viseur à l'autre en passant en scope ou en mire, enfin c'est... Le côté tactical a tellement été mis en avant et on sent en fait les années qui sont passées. Comparé Call of Duty premier du nom, sorti, je ne me rappelle plus vraiment, 2002 je crois, à celui-ci en 2023, on en a fait du chemin. Donc, si je récapitule, on est censé libérer un prisonnier. Mais qui ça? On se rappelle bien entendu de la mission dans la prison que l'on avait envahi une espèce d'Alcatraz sur une île où est-ce que Price était prisonnier. Il ne me semble pas qu'à la fin de MW2 nouvelle génération, Price fut capturé. Prêt à rentrer. Charge en place. Alpha est sur la cible, patientez. Avancez vers la lumière. Si ça avait été montré, j'étais pas au courant. Bordel, c'est Makarov. Donc on libère le méchant du jeu. Tiens, on joue les méchants depuis le début. Confirmation d'un visuel sur 6 de 7. Reçu, libération du 627. Votre plan était parfait. Les plans dépendent de l'exécution. Ceci n'est que le début. À toutes les équipes, on l'a trouvé. On arrive en 30. C'est un véritable honneur, commandant Makarov. Je suis pas spécialement fan de son chara-design. Je préférais la gueule de serbe qu'il avait dans les premiers... dans MW3... C'est bon de vous voir, tous les deux. D'origine. Ce que vous avez réussi depuis cette cellule... n'est que la partie visible de l'iceberg. À toutes les unités ici, votre commandant Vladimir Makarov, indicatif leader Tsar 90. Je prends le contrôle. Lancez la phase 3 terminée.
Suivez-moi. Ouais, bon, par contre, le charisme est omniprésent chez l'antagoniste. Alors, attendez, est-ce qu'on parie ? Signature de Koloff, un nouveau gars qui vient d'arriver, il faut montrer qu'il en impose, une petite scène scriptée qui va arriver dans pas long. Genre un 1v2, il va en buter deux là d'un coup. Le plus simple est le mieux, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Bon, j'y étais presque, ils étaient trois. Contact, on y va. Ah ouais, non mais level design, cara design, et puis même jeu de lumière, où est-ce que ça arrive dans une sorte de pénombre camouflée, qu'est-ce que... Oh là là, ça c'est du fanservice, ça, de nous offrir une armurerie avant la suite de la mission, là. Je suis pas très batteuse. Mais de voir un ennemi qui arrive, là, après un espèce de brouillard, hein, enfin, c'est beaucoup trop classe. Ça c'est close combat là entre les caisses et les vestiaires, tout ça, ça me rappelle la scène du bateau quand on incarnait les SAS dans Code 4 au tout début. Alpha 2-1 pour Charlie, leader sécurisé, on se dirige vers l'exfiltration, attendez. Alpha 1 est dans l'ascenseur, leader en sécurité, préparez-vous pour l'exfiltration, compris ? À toutes les unités, danger immédiat, troupes au contact. Reçu, attendez. Bravo est en mauvaise posture là-haut. Je pense qu'on devrait attendre. Les prisonniers seront une diversion. Ça distraira les gardes. Il faudra en profiter. Attendre serait trop risqué. Andrei, qui détient le pouvoir dans ce goulag ? Les gardes ? Ou les prisonniers ? Ah, bah les prisonniers. On a nos fameuses réponses à choix multiples. Non, on est vraiment sur un Call of très scénarisé, très scripté, et c'est ça qui vraiment désormais fait la force des Call of, du moins dans leur mode solo. Je suis pas spécialement fan du nouveau gameplay dans les modes online, même si je vais pas faire l'unanimité, mais j'ai largement préféré par exemple Cold War ou Vanguard qu'à ces 3 MW. Pour moi, le meilleur MW restera Code 4, je vous parle bien sûr de celui qui était sorti en 2007. Mettez-vous à couvert. Reçu, ouvrez le feu. Tire en cours, Fox 2. Impact. C'est quand même vachement mis en avant, quoi. L'acting, le déroulement, c'est vraiment très très bien scripté. Mais ça ne vaut pas, bien sûr, le solo de MW2 d'origine. Qu'on le veuille ou non, hein, que ce soit la map pas de russe dans Terminal, la mort de Ghost face à Shepard, ou... Le fameux combat final où est-ce que Price se prend plein de points dans la gueule de la part de Shepard et t'es obligé de t'arracher un couteau de ton plexus pour pouvoir lui balancer dans l'œil sur la map Rust. Franchement, je suis désolé, il y a trop de scènes emblématiques dans ce deuxième volet d'origine pour que n'importe quel Call of puisse le concurrencer en termes de solo. Je ne dis pas que c'est le meilleur en online, mais en solo, MW2 Origine est clairement le meilleur, selon moi. Mais au niveau du lore, c'est bien amené. D'habitude, on a toujours notre petite armée qui nous suit, donc nos ordinateurs. Et là, pour que il y ait une sorte d'équité dans la bataille, les prisonniers sont nos alliés. Ça remplace un petit peu toute l'armée qui suit la Task Force durant leurs opérations dans des missions de type open field. Il y aura pas mal de missions aussi d'infiltration, d'escorte, hein, beaucoup de points à objectif sont mis en avant dans le lore de ces nouveaux Modern Warfare, et c'est pour ça je pense aussi que ça plaît. De toute façon, vous me direz qui n'est pas pour un petit peu de renouveau. La voie est libre, on y va. Charlie, on arrive tout de suite. Forcément que c'est scripté, je pouvais plus courir, donc il fallait que je regarde cette scène. J'ai perdu un collègue. Non, c'est vachement bien foutu. Même, c'est fait même exprès, vous voyez, même si vous n'avez pas l'habitude de pouvoir jouer dans un mode solo, le jeu vous met un stop pour que vous puissiez regarder la scène et que vous puissiez profiter de tout le contexte environnant.
Ah bah putain, pour une fin de mission... Ça met dans le bain, c'est le cas de le dire. Eh bien écoutez les gens, de toute façon je pense qu'on va se stopper là, je ne vais pas vous spoiler davantage l'histoire, le lore de ce MW3. Grand bien vous fasse si vous comptez tester cet énième opus de la saga Call of Duty. En attendant pour ma part, je vais vous laisser sur ces images et sur ce ending de la première mission du mode solo. J'espère que cette découverte vous aura bien plu et je vous retrouve très prochainement pour un prochain test gameplay découverte. Sur ce, portez-vous bien tout le monde et je vous dis à ciao. Juste la loyauté. Une loyauté sans faille. À 30 secondes de la ZA. Watcher 1 pour Bravo 6, Watcher pour Bravo, à vous. Je vous écoute, Laswell. John, Makarov est dehors. Répétez, Laswell. Makarov est dehors. Il s'est échappé, John. On annule. Faites demi-tour. Faites demi-tour, tout de suite.